J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul action. Donc j'y suis allée dans l'espoir de trouver le foil que j'ai qu'il n'y avait pas, les dies qu'il n'y avait pas, les petits carnets de stickers pour planeur qu'il n'y avait pas, les feutres gel qu'il n'y avait pas, et les bandes, les bandelettes là, de papier multicolore qu'il n'y avait pas non plus. C'était ces cinq choses-là qui m'intéressaient et bah il n'y avait rien. J'ai bien vu l'étiquette pour les feutres gel, là, les 48, mais le rayon était vide. Les autres, j'ai pas vu d'étiquette, donc je sais pas. Donc bah évidemment, je suis pas repartie les mains vides. Donc j'ai pris donc un chargeur pour téléphone parce que bah, c'est vrai que souvent ça se casse ici, ça finit par s'ouvrir. Et puis du coup ça tient plus bien dans le téléphone. Donc là franchement c'était je crois 2,50 €. Alors, je vais vérifier, j'ai le ticket à côté de moi. Donc c'était 1,59 €. Parce que j'en avais commandé un sur Amazon parce que ma fille a cassé le sien. Donc ça a su urgent. Et sur Amazon c'était écrit la semaine prochaine en livraison. Et puis finalement ce sera à fin septembre. Et en plus, j'ai payé plus cher que ça. Donc, d'ailleurs, faut que je pense à voir si je peux annuler la commande. Donc, bon, voilà la première chose. Ensuite, j'ai trouvé ça. Donc, c'est des lots de cartes plus enveloppes avec des couleurs métalliques. Me souviens pas les avoir déjà vus sur des hauls. Alors, c'est vrai qu'en ces derniers temps, j'ai évité de regarder les hauls à action. Parce que vu que bah, ça faisait un mois que j'étais pas allée, je savais que je pouvais pas y aller tout de suite. Parce qu'il est quand même assez loin de chez moi. Donc j'ai évité de regarder pour pas me donner trop envie. Donc après c'est possible, voilà, c'est sûrement pas une nouveauté, mais bon. Donc ça se présente comme ça, les enveloppes. Voilà, les couleurs métalliques. Hop, et après, on a les cartes. Comme ça. Voilà, vert, bleu, rouge et bleu foncé. Donc ça, c'était 67 centimes. Ensuite, j'ai pris des grands tags, donc ils appellent ça des cartes, je crois, cartes de vœux fait main. Avec des citations, il y a 10 pièces, c'est 99 centimes. Donc là, au dos, on a les modèles. Donc on a des enveloppes comme ça. Et des tags, donc c'est pratique. Voilà, c'est des petites cartes toutes faites quand on a un petit mot à mettre. Hop. Donc ça, je cherchais justement ce genre de choses de grands tags. Donc je suis contente de les avoir trouvés. Bon, je savais pas qu'ils existaient, mais voilà, ouais, j'ai vu ça, je me suis dit c'est pratique. Il y avait plusieurs modèles, je pense pas avoir tout pris. Donc ensuite, on a celui-là. Avec des enveloppes bleues à pois blanc. Et voilà, donc elles sont super belles. C'est vrai que parfois on se demande à quoi ça sert de ce que ça a la tête à faire des cartes. Franchement, elles sont magnifiques. D'ailleurs, je me dis, j'aurais peut-être dû en prendre plus. Ensuite, j'ai trouvé ça, je crois que c'était au rayon papier cadeau. Donc on a des petits tags, un tampon encreur, de la corde et deux petits tampons que j'ai trouvé mignons. Alors j'ai pris ça principalement pour les tampons. Donc il y a 16 pièces. Alors ça je l'ai payé 84 centimes. Alors là c'est marqué 16 pièces. Sur le ticket de caisse c'est marqué 12 pièces. Mais étiquette cadeau avec tampon, oui c'est ça. Donc 84 centimes. Donc on a deux mini tampons. Donc je les trouve super jolies, même ça pour faire des fonds. Alors oui, il faut tamponner plusieurs fois, mais... Et on a la petite corde. Le petit tampon encreur. Et pour les tags. Hop. De toute façon, je sors tout parce que je vais ranger dans une boîte. Voilà, donc on a des tags comme ça, et comme ça. Avec les petits trous. J'ai pris ce modèle-là. Il y avait celui-là. Donc les petits tampons, là, on a écrit No Prob Blama.
Il y a un petit dessin de lama, un petit cactus et la petite cordelette. Le tampon encreur. Et les tags, ils sont argentés. Donc voilà. Et le dernier là. Voilà. Celui-là, il est collé. Ah ouais, ils l'ont carrément collé. Donc bon, celui-là, ça va aller à la poubelle. Je crois qu'il y avait un troisième modèle, mais qui ne m'intéressait pas. Là, j'avais encore là d'autres grands tags avec enveloppe. Donc là, on a des enveloppes vertes à étoiles. Et des cartes. Qui sont toutes magnifiques. Ensuite, j'ai pris des carnets là pour faire les petits paquets. Alors celui-là, je crois que je l'avais déjà, mais je ne sais plus si c'était les mêmes motifs. Donc il y a de quoi en faire 20. Alors le prix, donc c'est 99 centimes. Et j'ai pris celui-là que j'avais pas déjà, enfin que j'avais pas vu encore. Donc là, ça fait plus des enveloppes. Donc pareil, il y a de quoi en faire 20. Et c'est avec des petits chats. Donc celui-là, je ne l'avais pas vu encore. Ensuite, j'ai pris des fleurs. Donc 79 centimes. Donc j'ai pris des bleus, des jaunes, des roses, des blanches vertes et des roses rouges. Voilà, il y en a 12 à chaque fois. Ensuite, j'ai refait un peu le plan de pinceau. Donc, des gros comme ça et des comme ça. Alors, les pinceaux, suite 10 pièces, donc ça doit être celui-là, 1,99€. Et l'autre, 99 centimes. Voilà. C'est vrai que j'ai une boîte où j'ai tout un tas de pinceaux, mais ils sont assez vieux, la plupart ont durci. Et il va falloir que j'arrive à faire du tri et à les jeter parce que... après ça, je l'ai vu au dernier moment, c'est du tissu. Donc c'est des coupons de 50 par 50 cm, c'est du 100% polyester, il y a 5 motifs. Donc ça, le tissu, c'était 1,92€. Alors les motifs, ils sont là. Alors je ne vais pas les sortir parce qu'après ça va être... Ah oui, je vais les sortir quand même. Donc on a un modèle comme ça, un modèle comme ça fruité, un modèle rose, je sais pas si c'est des écritures, non, un autre encore fruité et le dernier à pois. J'ai pris celui-là aussi, donc là on a des belles fleurs, du Vichy, du vert à pois, encore des fleurs et du Vichy rose. Il y avait un troisième modèle, mais j'aimais moins. Et puis il y avait des sortes de chevaux. Enfin, bon, en même temps, j'ai fait vite. Hein, donc il y avait peut-être d'autres modèles, mais bon, j'ai pris que ça. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être pour faire les tranches des albums, je me dis que c'est peut-être plus souple que du papier. Voilà, donc ce sera à tester. Ensuite, j'ai pris deux bacs comme ça pour ranger. Donc, comme vous savez, j'ai acheté des meubles Ikea. Donc, voilà. Donc, soit pour ranger les tampons debout, soit pour ranger des stickers ou tout un tas d'autres choses. Ensuite, j'ai vu ça. Donc, c'est deux organisateurs. Alors, j'ai trouvé les couvertures super belles. Je ne savais pas lequel des deux prendre, sachant que j'en ai déjà un que bon, je ne me sers pas vraiment. Mais bon, je me suis dit peut-être que ma fille va vouloir en prendre un. Donc derrière, ça se présente comme ça. On a les jours de la semaine. Et au verso, on a notes et to-do list. Voilà. Et donc normalement, il y a 104 feuilles. Donc ça peut faire 2 ans. Enfin non, ça dépend. C'est 104 feuilles, ça doit être 52 pages. Voilà. Donc l'autre, il se présente pareil aussi. Donc ça, c'était...
1,59€. Ensuite, j'ai pris un petit cahier comme ça. Bon, il y a longtemps que je les vois. Et en fait, c'est pas pour le cahier lui-même qui m'intéresse pas. Les feuilles ne m'intéressent pas. C'est pour le principe des anneaux. Voilà, ça fait comme mon Happy Planner Mambi. Donc, je me dis, ça peut être sympa de récupérer les anneaux et de faire un mini-album. Parce qu'ils sont tout fins. Et éventuellement, la couverture. Voilà, à voir. Donc ça, le cahier, 99 centimes. Ensuite, j'ai pris ça pour mettre dans mes tiroirs et organiser. Alors, je me disais, ce ne sera pas pour mettre des stylos et tout ça, parce que ça, c'est dans ma Raskog, la desserte, là, de chez Ikea, dans des pots. Mais ce serait peut-être pour... j'ai plein de flacons d'encre, d'huile, de peinture acrylique, de plusieurs marques différentes. Et donc, je me disais, peut-être les ranger comme ça pour pouvoir les séparer. Donc, pareil, à voir. Ensuite, je suis contente quand même, j'ai trouvé les lettres. Il y avait aussi un modèle plus petit, mais comme j'en ai acheté il n'y a pas longtemps à Cultura et que j'avais déjà pris deux paquets, je me suis dit ça ne servait à rien d'en reprendre. Donc là, bon, bah, pareil, j'en ai pris deux parce que bah, les lettres, quand il en manque une, c'est toujours embêtant. Et il y a les chiffres aussi en dessous, et puis des petits motifs. Est-ce qu'il y a le nombre? Il y en a 132. Par contre, c'est dommage, c'est l'emballage. Je suis sûre qu'on paye cher alors qu'ils auraient mis ça dans des sachets plastiques. Donc là, les lettres, c'était 2,79€. Voilà. Donc après, l'emballage, je ne sais pas si vous vous en servez. Parce que j'ai les autres formes en bois aussi qui étaient pareil dans le même genre d'emballage. J'ai gardé les boîtes là, mais je ne sais pas quoi en faire et du coup, ça traîne. Si vous avez des idées de quoi en faire, dites-moi-le. Donc voilà, et pour terminer j'ai trouvé ça, c'est du papier fluo. Je me suis dit que ça pouvait être sympa si un jour j'avais besoin de fluo, voilà, c'est bien à avoir sous la main. Donc c'est que du 75 grammes par contre, mais bon, il y a 250 feuilles. Et donc les feuilles, ah oui, alors la boîte à couvert, je vous ai pas dit, c'était 2,66€. Les paniers, il y en avait un à 2,29€ et un à 1,79€. Là, le papier, c'est 3,29€. Voilà. Donc, en fait, ce que je suis le plus contente, bah, c'est les gros tags. Voilà. C'est ça. Ça, je suis super contente d'avoir trouvé ça. J'ai une petite question aussi. J'avais commencé à essayer de participer à des concours. Mais c'est vrai que je ne suis pas très bien organisée, j'ai du mal à respecter les délais. Et puis je m'y perds après à qui j'ai dit que j'enverrais. Voilà. Enfin, ça m'est arrivé de dire à une personne que j'allais lui envoyer quelque chose et j'ai complètement zappé. Enfin, voilà. Donc si toutefois je vous ai déjà envoyé un mail pour vous dire que je participais, ce serait bien de me relancer parce que voilà. Je sais aussi, bon, faut que je regarde dans mes mails, je retrouverai sûrement. Mais je dois faire un échange avec une personne sur le thème de notre choix, je crois. On avait dit pour la rentrée, donc la rentrée, c'est la semaine prochaine. Et voilà, je m'en suis rappelée ce matin. Faut vraiment que j'arrive à noter tout ça. Et j'aimerais participer plus souvent à vos concours. J'aimerais bien en fait m'obliger à faire plus de créations. Parce que là, c'est vrai que mon Happy Planner, mon Bullet Journal, mon Project Life... plus les tournages de vidéos, les montages, les publications, tout ça, ça me prend pas mal de temps. Mais je regrette de ne pas faire plus de créations simples, quoi. Enfin, des pocket letters, des cartes, des marque-pages, des lodis d'enveloppes, etc. Surtout que j'ai acheté pas mal de petites choses pour les remplir. Donc voilà. Donc si vous avez un concours en route, dites-moi-le en commentaire, j'aimerais bien y participer. Alors il faut que si ça se termine le 31 août par exemple, c'est pas la peine, j'aurai pas le temps. Mais voilà, si c'est mi-septembre, donc dites-moi le en commentaire, je participerai avec plaisir. Et en parlant de concours, bah, il y a toujours le mien qui vient de démarrer, qui va jusqu'au 21 octobre, donc vous avez encore le temps. Il y a le lien de la vidéo en barre d'infos. Voilà pour mes achats actions. Du coup, j'essaierai d'y retourner parce que vu que j'ai rien trouvé de ce que je voulais,
Donc voilà, je remercie les nouveaux abonnés. J'espère que ma chaîne vous plaît. Si vous avez des remarques à me faire, je suis preneuse tant que les critiques sont constructives. Voilà, il n'y a pas de souci. Bah, merci pour vos commentaires encore une fois. J'ai bien aimé aussi vos commentaires sur la vidéo Back to School pour la rentrée de ma fille. Donc je vous remercie de lui avoir souhaité une bonne rentrée. Je ne me fais pas de soucis, je sais que ça se passera bien. C'est vrai que moi j'ai hâte qu'elle soit au collège. Parce que là, en primaire, avec les copines, c'était. Elle a des copines à embrouille, quoi. Tout le temps des disputes de copines. Bah, un tel, hein, me fait la tête. Elle leur dit à un tel de plus parler à un tel, etc. Enfin, et moi, les gamineries comme ça m'énervait. Ma fille aussi, parce que je pense qu'elle est quand même un peu plus mûre que son âge. Donc j'ai hâte qu'elle soit au collège, qu'elle se fasse des nouvelles copines, parce que du coup, là, c'était les copines du village. Là, le collège, eh ben, il va y avoir tous les villages alentours qui vont arriver. Donc, j'espère qu'elle va se faire des nouvelles copines et puis qu'elles vont toutes mûrir un peu. Voilà pour la petite histoire. Et puis, bon, bah voilà, je vais arrêter de blablater. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, enfin, peu importe. Chez nous, le soleil est revenu aujourd'hui. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!